Le 3 janvier 1850, un transport impérial est arrivé au port de Changsha, dans la province du Runan. À bord se trouvait Lin Zexu, ancien commissaire impérial âgé de 65 ans. Lin Zexu était originaire de Fuzhou, dans la province du Fujian, et prévoyait de retourner là-bas après avoir pris sa retraite en tant que gouverneur du Yunnan et du Guizhou lorsqu'il s'est arrêté à Changsha. Cependant, le nom de Lin sera à jamais associé à Canton. C'est là, en 1839, que ses actions visant à réprimer le commerce de l'opium ont catapulté la Chine dans son siècle d'humiliation. La confrontation avec les puissances occidentales, et en particulier la Royal Navy britannique, a dramatiquement exposé à quel point les technologies civiles et militaires de la Chine étaient dépassées. À Changsha, Lin devait rencontrer Zhou Zongtan, âgé de 38 ans, l'homme qui allait plus tard relever le défi que l'aventure malheureuse de Lin à Canton avait posé. Zhou Zongtan écrirait dans ses mémoires que la nuit, les courants volaient vers l'ouest et le navire s'arrêtait près de la montagne Huelu. Les bruits du vent et des vagues résonnaient avec les conversations des hommes. Alors que la révolution industrielle avançait à grands pas en Europe et en Amérique, l'Asie était laissée pour compte. En 1866, la bataille de Lissa entre l'Italie et l'Autriche vit le premier engagement majeur de navires de guerre cuirassés. La même année vit également la pose d'un nouveau câble télégraphique transatlantique à haute vitesse, capable de transmettre jusqu'à 8 mots par minute, une nette amélioration par rapport au premier câble de 1858. En 1867, la puissance destructrice des technologies modernes fit un grand bond en avant avec l'invention de la dynamite par Alfred Nobel. En 1853, le Japon s'est également retrouvé déconcerté par la supériorité de la technologie militaire occidentale lorsque le commodore américain Perry a démontré la puissance de feu de ses navires dans la baie de Tokyo. Les efforts du Japon pour se moderniser n'ont initialement pas rencontré un grand succès, mais en 1868, sous la restauration de Meiji, un renversement dramatique de fortune allait commencer. En Chine, Zhou Zongtan, désormais gouverneur général du Fujian, a envoyé une proposition à l'empereur dans la cité interdite. Dans sa proposition, Zhou Zongtan a souligné l'importance d'établir une marine moderne pour résister à une éventuelle invasion des puissances occidentales. À cette fin, il a suggéré la construction d'un arsenal et d'une académie navale pour étudier comment construire des navires de guerre et établir une marine moderne. Dans sa proposition, Zhou Zongtan suivait l'exemple de Lin Zexu. Vingt ans plus tôt, l'empereur Daoguang avait rejeté les idées de Lin, les considérant complètement absurdes. Lin Zexu 扣了很多大帽子，给林则徐委员认为他们这是
退一下脂肪，就是认为这个华夏文化和第一文化之间有一道这个文化防线。你说要学习他赵传，那么逐渐中国文化就会被这种所谓的第一文化所破坏了，所以这个帽子是很大的。Zhou avait bâti sa réputation en défendant le trône Qing contre les rebelles Taiprin dans les années 1850 et au début des années 60. Mais il ne savait pas si son dossier de loyauté et ses succès l'exempteraient du type de réprobation infligée à feu, Lin Zexu. Le pouvoir à la cour était entre les mains de l'impératrice douairière, Cixi. Elle avait vu de ses propres yeux à quel point l'armée chinoise était devenue faible avec l'échec des forces de son mari, l'empereur Xianfeng, lors de la seconde guerre de l'opium. L'impératrice douairière Cixi, agissant en tant que régente, décida de soutenir la proposition de Zhou Zongtang. Elle commença également à favoriser la faction progressiste à la cour dirigée par le prince Gong et nomma Zheng Guofin, Li Rongzhang et Zhou Zongtang à des postes importants. Les réformateurs étaient les leaders du renforcement de soi, dont les objectifs étaient principalement d'améliorer les capacités militaires de la Chine. Ils ont planifié et construit des usines de munitions et des arsenaux, acheté des armes à l'Occident et entrepris de créer une marine moderne. La période est devenue connue sous le nom de restauration de Trongzi, l'empereur adolescent débauché, étant peu impliqué.建立一支海军，防止外来的侵略，继续关起大门来闭关自守，所以他没有海权意识，是吧？他建的是海防，而不是海权。 En 1863, un Britannique, Robert Hart, fut nommé inspecteur général du service douanier maritime impérial de Chine, un poste qu'il allait occuper pendant les 47 années suivantes. Hart et le prince Gong se tenaient en haute estime mutuelle, et c'est sur la recommandation de Hart que le prince chercha à acheter des canonnières construites par les Britanniques pour combattre les rebelles Taiprin sur le Yangtze. L'année précédente, la cour avait réservé 920 000 taels d'argent pour acheter cet navire. Le prédécesseur de Robert Hart en tant qu'inspecteur général, un autre Britannique, Horatio Nelson Lay, fut chargé d'organiser l'achat. En Grande-Bretagne, Lay nomma le capitaine Sherard Osborne pour commander la flottille. Lorsque celle-ci arriva en Chine en septembre 1863, Osborne refusa de recevoir des ordres des officiers chinois locaux, affirmant que tout ordre chinois devait provenir directement de l'empereur Trongzi, transmis via Lay. La cour impériale refusa de ratifier cela. L'impasse était absolue. 结果等到李泰国把这个舰队奉上来之后，觉得这个是一个烫手的山芋，我们根本超出了我们的想象力，不是说谁都能把这个船开起来的，这个冒烟的蒸汽军舰说就随随便便就能开起来，它是需要有一个系统的经过这样教育培训的人才能够去操纵它的，所以这样来了以后是完全是慌了，然后是李泰国他。
也抓准了你中国肯定不懂这个，没有人管这个，所以他把这些所有的岗位上的人都已经安排的就是一个不落，全部安排好了。La cour des Qing était frustrée d'apprendre qu'elle n'avait aucune capacité à commander cette nouvelle flotte. Ils estimaient qu'ils préféraient abandonner les millions investis plutôt que d'accepter une force contrôlée par des étrangers, selon l'accord Léo Osborne. En novembre, un Osborne frustré démissionna et dissout la flottille. Elle n'avait pas tiré un seul coup de canon en colère. Les navires furent renvoyés en Angleterre pour être mis aux enchères. Le premier effort de la dynastie Qing pour acquérir une marine moderne s'était terminé en fiasco. 曾国藩、李鸿章这一代人呢，就慢慢的寻找一个出路。那怎么办呢？只有建设自己的海军。Pendant ce temps, l'armée de Zozontan tournait le cours de la guerre contre le royaume rebelle des Trépring dans sa capitale à Nanjing. Ces victoires ont valu à Zhou une promotion au poste de gouverneur général des provinces côtières du Fujian et du Zhejiang. C'était l'occasion parfaite pour lui de se pencher sur les besoins navals de la Chine. Jeune homme, Zhou Zontan a échoué à plusieurs reprises aux examens impériaux. Au lieu de cela, il a dirigé son attention vers la découverte de nouvelles connaissances, en dehors du curriculum limité des classiques confucéens. Un livre qui l'a profondément influencé était les Annales illustrées des pays étrangers compilées par Wei Yuan. Comme Lin Zexu avant lui, Zhou Zontan réalisa que la dynastie Qing devait disposer de sa propre marine et de chantiers navals pour se protéger des puissances étrangères. En tant que gouverneur général, Zhou passait beaucoup de temps à inspecter les défenses côtières. Le Fujian est à la fois une province côtière et très montagneuse. En conséquence, une grande partie des moyens de subsistance de la population provenait de la mer. Au début du XVe siècle, la grande flotte que l'amiral Zheng He, de la dynastie des Ming, avait utilisée pour explorer l'océan Indien, avait été construite dans le Fujian. Ses ports faisaient partie de la route de la soie maritime dès le début de l'Empire. Elle était réputée pour produire des marins. Ces ressources humaines et naturelles ont convaincu Zhou Zontan que c'était là que les Qing devraient construire leur nouveau chantier naval moderne. Cependant, les politiques périodiques d'isolement des siècles précédents signifiaient que la Chine était sérieusement désavantagée dans les affaires maritimes par rapport à ses rivaux. Zhou Zontan savait que pour construire une marine moderne, la Chine n'aurait d'autre choix que de compter sur l'aide des pays occidentaux. Zhou devait acheter des machines et engager des ingénieurs étrangers pour construire ses navires. Sa proposition à la cour en juin 1866 devait aborder ce problème sensible de front.
Il écrivit que la sagesse de la Chine s'applique au monde métaphysique, tandis que l'intelligence des autres pays agit dans le monde physique. Contrairement à la Chine, les pays étrangers mettent l'accent sur la science plutôt que sur la philosophie. Sa proposition, selon laquelle par pur pragmatisme la Chine devrait emprunter de l'aide aux pays occidentaux pour construire sa propre marine, était suffisante pour sauver la face. En fait, il était en discussion depuis plus d'un an avec son ami français Prosper Marie Jiquel et d'autres. Prosper Marie Jiquel était un officier de marine français arrivé en Chine en 1856. Il avait étudié le chinois et avait travaillé au service des douanes maritimes impériales à Ningbo, Shanghai et Rincro. En 1902, il avait aidé aux Zhongtang à organiser l'armée anti-Trépignée vers Triamphant. Jiquel et Zhou avaient fait campagne ensemble contre les rebelles. Jiquel devait être rejoint dans le projet naval par son collègue, Paul-Alexandre Neveu des Goebbels. À l'automne 1864, Prosper Jiquel et Zhou Zhongtang ont commencé à discuter de la manière d'établir une marine moderne pour la Chine. His diary, he describes the interview with Zhou Zhongtang, and he says Zhou Zhongtang is extremely warm with him, and he says also that Zhou Zhongtang is very simple. He's not a very haughty official. He's not full of himself. He says also that the yamen of Zhou Zhongtang is very simple, much more simple than the ordinary yamens of other officials. There is not much luxury and so on. Par une belle journée d'automne, Zhou Zhongtang a invité Prosper Jiquel et des Goebbels au lac de l'Ouest à Rangzhou pour montrer à ses hôtes français un navire à vapeur fabriqué en Chine. Après avoir observé le navire à vapeur traverser le lac, les deux Français ont été impressionnés. Il m'a montré un navire à vapeur fabriqué par un Chinois et deux des outils utilisés dans sa construction. Il m'a dit qu'un homme dans la soixantaine avait fabriqué le navire avec ses outils. J'ai répondu que c'était très bien. Cela signifie que les Chinois sont très intelligents. Jiquel a souligné que la Chine n'avait aucune capacité à fabriquer des machines à vapeur, qui étaient cruciales pour la construction de navires de guerre. Il a ensuite montré à Zhou Zhongtang un livre français sur la construction navale et a suggéré que la cour des Qing envisage de commander des machines en Europe. Il s'est proposé de s'occuper de la communication entre le gouvernement chinois et un fabricant français qu'il recommandait. En 1849年，法国建造了这个人类历史上第一个以这个蒸汽作为主要动力的第一艘舰船，它叫拿破仑号。大家注意。 刚才我用了一个词，叫做“主要动力”。它一方面本身是用了，它的主动力是用蒸汽机，但是同时它依然保留了在船上啊保留了风帆作为它的辅助动力。那么真正去掉这个风帆，以蒸汽机作为自己唯一动力的，大概应该是在19世纪的70年代以后。 法国的造船工艺在当时是最高的。
Zozontan fut impressionné par cette technologie française et chargea Jiquel et Degebel d'aider le gouvernement chinois à acheter des moteurs à vapeur et à engager des architectes navals français. Au début de 1866, Degebel retourna en Chine le premier, avec un plan élaboré par lui-même et Jiquel concernant la construction navale et la formation navale. Pendant ce temps, la Chine négociait avec la Grande-Bretagne sur le fonctionnement des cuirassés modernes et la stratégie navale. Avec en tête l'incident Léo Osborne, Zozontan a souligné l'importance de former les ressources humaines nécessaires à l'exploitation plutôt que de se concentrer uniquement sur la fabrication des navires. De peur qu'il n'y ait aucun Chinois éligible pour commander et opérer les navires, ce qui nous obligerait à embaucher des étrangers pour combler ces postes, nous devrions préciser dans notre contrat que les instructeurs sont responsables de l'enseignement de la construction navale ainsi que de la formation de l'équipage et de la familiarisation de leurs étudiants chinois avec les ports étrangers. À mesure que la formation s'approfondit à l'avenir, nous aurons plus de ressources humaines que nous ne pourrons en déployer. Dans cette proposition, Zozontan a pour la première fois averti la cour de la menace du Japon. Le Japon avait déjà commencé à acheter des cuirassés. Ils les ont démontés, étudié leur structure et ont essayé de l'imiter. Après que cela se soit soldé par un échec, ils ont envoyé des hommes aux îles britanniques pour étudier sa langue et sa technologie. En quelques années, le Japon fabriquera ses propres cuirassés. Zozontan apprit qu'en 1861, 5 ans avant sa proposition à la Courtsigne, le Japon avait déjà établi un chantier naval moderne à Nagasaki. En 1864, Sakamoto Ryoma, une figure éminente de la période Bakumatsu, a aidé à établir l'Institut de formation navale de Kobe, qui a adopté les techniques britanniques de formation navale. Quand les annales illustrées des pays étrangers de Weiluan ont été publiées en Chine en 1843, peu de gens y ont montré un quelconque intérêt. Lorsqu'elles ont été publiées au Japon en 1851, elles sont rapidement devenues populaires. En 10 ans, elles ont été réimprimées 15 fois et leur prix a triplé pendant cette période.中国人就是不理会这本书，这本来是林则徐为原为了启蒙中国人编的这本书，因为他不仅介绍了武器，还介绍了当时世界各个州啊、各个国家的状况，因为他觉得我们对这些，你就去开始对这英国哪来的什么，他讲就通通完全不了解，要了解敌人，介绍这本书，中国人整个不接受，这本书马上传到日本了，林则徐为原为了启蒙中国人的书开始没有启蒙到中国人，无意中启蒙了日本人，是日本又成了一个强国，反过头来侵略中国。 Pendant des siècles, les pirates japonais avaient attaqué les régions côtières de la Chine, mais la croissance rapide de la marine japonaise rendait Zozontan vraiment inquiet. Cependant, il n'était pas sûr que la cour prendrait sa proposition au sérieux. La réponse fut étonnamment rapide. En moins de 20 jours, il reçut une réponse de la part de l'empereur. Le moyen de renforcer la Chine réside entièrement dans l'illumination spirituelle, la liberté des anciennes coutumes et habitudes et la quête de connaissances pratiques. Zozontan fut félicité pour sa perspicacité et autorisé à prélever des fonds sur les recettes fiscales du Fujin pour établir son chantier naval et engager la personne adéquate pour diriger le projet. «
Le décret impérial soulignait que l'objectif de l'entreprise était de garantir que la Chine apprenne à construire et à exploiter ses propres navires de guerre modernes. La dynastie des Qing prenait conscience de la nécessité de renforcer ses défenses face à la montée des puissances étrangères. Mais un tel projet complexe ne pouvait être réalisé simplement en rêvant. Honoré de la réponse favorable au nom de l'empereur, Zhou Zongtan écrivit à Prosper Jiquel, l'invitant à superviser les aspects techniques du projet. En août 1866, le jeune Jiquel, âgé de 31 ans, arriva à Fuzhou pour la première fois. En cette saison la plus chaude de l'année, l'ombre des banyans de la ville offrait un soulagement bienvenu. Après deux ans sans se voir, Zhou Zongtan et Jiquel renouèrent leur amitié autour de tasses de thé au jasmin rafraîchissant, tout en discutant de leurs plans pour ce projet ambitieux.双方三定就是高薪聘请日一哥作为政建督，聘请德克碑作为副建督，双方共同管理，阳江、阳江西，那么在要包教包会我们的这个工匠跟学生，确定五年时间造船舶16艘，那初步的经费呢，确定300万两白银。Alors que les plans pour le projet avançaient, une question majeure restait non résolue, le financement. Le décret impérial allouait des fonds à prélever sur les recettes des douanes maritimes du Fujian. Cependant, les revenus du Fujian ne seraient en aucun cas suffisants pour répondre à cette demande. Zhou Zongtan se tourna vers un autre de ses amis, Ru Suyin. Ru Suyin était un marchand et homme d'affaires extrêmement riche, avec des intérêts dans la banque, l'immobilier, le transport maritime, le commerce de la soie et la médecine chinoise. En 1864, lorsque Zhou Zongtan a repris Rangzhou au Trépring, la population mourait de faim. Ru Suyin a utilisé son influence pour fournir de la nourriture et d'autres fournitures d'aide à la ville. La cour impériale a reconnu cette contribution en lui décernant le chapeau à pointe rouge d'un officiel de première classe, un honneur qu'aucun marchand n'avait jamais reçu auparavant. Zhou Zongtan a recommandé à la cour que Ru Suyin soit nommé conseiller financier du projet.
La ville de Fuzhou est située en amont de l'estuaire de la rivière Min. Depuis l'Antiquité, elle était célèbre pour le jade de ses montagnes. Elle a acquis le nom de Fuzhou, signifiant terre bénie, pendant la dynastie Tang. En aval se trouvait le port de Maui, une escale importante pour aller à Taïwan. La tour Loxing de Maui, érigée à la fin de la dynastie Ming, était un célèbre phare pour la navigation. À l'été 1866, Zhou, Roux et Jiquel ont inspecté des centaines de ports et de golfs dans la région de Fuzhou à la recherche de l'emplacement idéal pour la première base navale moderne de la Chine. En tant qu'officier naval expérimenté, Jiquel pensait que les avantages géographiques de Maui en faisaient le premier choix évident.因为马尾是天然良港，它是河口港，跟其他港口都不一样。它这个补给条件非常好，还有一个呢，它是中国三大木材市场之一，历史上造船都非常好的一个地方。再一个就政治考量了，是吧？在民族总督这个底下，管理方便。 Zozontan était versé dans les sujets traditionnels chinois, de la littérature à la stratégie militaire. Mais il connaissait peu les contrats commerciaux utilisés en Occident. Avec l'aide de Roussuyin, lui et Jiquel ont signé un contrat détaillé pour la création d'un arsenal. Le contrat stipulait que Jiquel et Degebel, en tant que directeur et directeur adjoint du projet, dirigeraient un groupe de 36 instructeurs et ingénieurs européens sous la supervision de Zozontan. La durée de leur engagement était de 5 ans et il était explicitement précisé dans le contrat que ces employés européens n'étaient pas autorisés à maltraiter leurs étudiants ou employés chinois, de quelque manière que ce soit. En tant que mesure de sécurité, le contrat exigeait que le consulat français à Shanghai se porte garant de Prosper Jiquel au nom du gouvernement français. Cependant, le consul français, Brenier de Montmorin, a rejeté cela. Il a seulement accepté de témoigner de l'authenticité des signatures de Jiquel et de Degebel. If the French government didn't approve, he would not be able to import some of the machinery to China. So there needed to be an official French document saying that everything was okay at the contract. So the contract was signed. Not by Zozontan himself, but by Hu Guanyong, who was a merchant who was closely linked to Zozontan and lending him money and so on, and helping him for a lot of things. Ah.
Alors que Zozontan négociait pour l'établissement de sa base navale dans le Fujian, la dynastie des Qin était une fois de plus menacée par la rébellion, cette fois-ci dans le nord-ouest. En octobre 1866, Zozontan reçut l'ordre de devenir gouverneur du Shaanxi et du Guinsou afin de réprimer les rebelles. Cela le laissa profondément préoccupé pour l'avenir de son chantier naval et de son académie à Maué.保守派呀，顽固派呀，就是这个敌视洋务活动的人呢，还大有人在。在那个时期，野蛮的落后的思想还占统治地位。要能够抵挡住那个来自社会上层的这些非议和阻力啊，没有相应的声望和地位的人，是不能抵挡的。1866年10月，左宗棠他就跟 朝廷提出要在马尾设一个机构，叫总理传政事务衙门，这个级别很高。同时任命传政大臣，传政大臣的权限级别相当于总督这一类。这样的话，新总督来了，但是他不可能太过分的压制传政大臣。 Avant que le gouverneur de province ne prête serment, Zozontan a sélectionné Chen Baozhen comme le meilleur candidat pour le poste de ministre des Affaires maritimes. Les trois ruelles et les sept allées étaient un quartier célèbre de Fuzhou et abritaient de nombreuses générations de familles de lettrés. C'est là que Chen Baozhen a grandi. Chen Baozhen était à la fois le neveu et le gendre de Lin Zexu. Il reçut une excellente éducation et en 1847, à l'âge de 27 ans, il réussit le plus haut niveau des examens impériaux. Au cours des années suivantes, il occupa divers postes importants à la cour. En 1866, Chen Baozhen était retourné à Fuzhou pour les funérailles de sa mère. Conformément à la coutume confucéenne, il avait démissionné de ses fonctions gouvernementales pour une période de retraite et de deuil de 3 ans. Zozontan admirait Chen Baozhen pour ses réalisations dans la lutte contre la corruption et son projet naval nécessiterait un leader à la fois compétent et discipliné. Mais lorsque Zhou aborda Chen sur la question, Chen refusa. Zhou aurait appelé Chen 4 fois, en vain, pour le convaincre d'accepter le poste. Parce que Chen Baozhen a déjà eu un peu de fatigue, pour lui, la transition est un domaine nouveau et un domaine nouveau.
他担心触动传统阻力太大，自己也不如左宗棠。苏西洋人担心沟通不畅，最重要的顾虑就是这件事情前无古人，谁也不知道这件事情怎么做。沈葆桢，你从他的那个知识的积累，你可以看得出来的，他跟这个造船是八竿子打不着的，从来没有接触过这样的事情，他也没有在沿海省份干过这样的巡抚，也没有主持过水师的建设，也没干过海防的事情，更不用说近代化的造船了。À mesure que le moment de son départ vers l'intérieur du Nord-Ouest approchait, Zosontan se tourna vers l'empereur pour obtenir de l'aide. Dans sa pétition, Zhou demanda à l'empereur de décréter personnellement à Shen Baotsen qu'il devrait occuper le poste de ministre des Affaires navales et de lui accorder le privilège de rendre compte directement à l'empereur afin d'éviter toute ingérence des autres départements gouvernementaux. Le décret fut promptement expédié et 20 jours plus tard, lorsque Shen Baotsen reçut cette ordonnance, il n'eut d'autre choix que d'accepter. Il apprit simultanément que par rapport aux autres arsenaux établis à Shanghai ou ailleurs, ce projet était bien plus vaste en termes d'échelle et de portée. Le décret de l'empereur précisait que Shen Baotsen était chargé des affaires maritimes, pas simplement d'un arsenal naval. Contrairement à un arsenal local, le bureau des affaires maritimes était un pilier du gouvernement central sous la dynastie Qing, responsable de la construction navale, de la formation navale et des déploiements. Le 当时讲来呢，这个也是非常破天荒的，因为清政府的当时的官制当中，就是哪一级官、哪些职位都是在那个他的整个制度当中都是设计的非常清晰的。那么，左宗棠因为一定要推动这样的一个事情，那么凭他自己的影响力，而且他是把这个职位呢是安排了一个巡抚级的官员来做，也就体现了福建船政有一个非常高的地位。Pendant ce temps, l'envoyé conseiller financier de Zosontan, Rou Suyin, rencontra le consul français Brenier de Montmorand à Shanghai. Rou convainquit le consul que le projet de l'arsenal du Fujian bénéficiait du plein soutien de l'empereur. Le 11 décembre 1866, juste avant son départ de Fuzhou, Zosontan écrivit deux propositions à l'empereur le même jour, détaillant l'état des affaires, de l'importation de machines d'Europe, au recrutement d'ingénieurs et d'instructeurs étrangers. Il a réitéré l'importance vitale de la formation du personnel chinois. À cette fin, il a proposé que le ministère établisse une académie navale axée sur les sciences et la technologie, ainsi que sur d'autres sujets d'utilisation pratique. Une
partie de la proposition de Zozontan était de sélectionner des jeunes doués pour étudier les langues étrangères, les textes et les mathématiques, et qui pourraient éventuellement être formés pour devenir des scientifiques et des ingénieurs. Le 16 décembre 1866, Zozontan quitta Fuzhou pour le Nord-Ouest afin de rejoindre la lutte contre les rebelles Nia. Serviteur dévoué de la cour des Tsing, il était prêt à servir de toutes les manières possibles pour préserver l'Empire.